TV et Radio de Vie, nous sommes en direct sur ces médias, c'est-à-dire TV et Radio. Voilà, donc que Dieu soit béni et merci à notre Père Céleste pour l'amour qu'il déverse sur nous, sur ses enfants. Merci également à l'équipe technique pour votre soutien, parce qu'il y en a qui viennent de loin, qui traversent tout Paris pour arriver jusqu'ici afin de nous aider. Pour qu'il y ait justement ces émissions que vous suivez depuis quelques années. Voilà, Que Dieu soit béni aussi pour euh, vos prières, pour euh, votre euh, participation. Nous réalisons de plus en plus que nous sommes vraiment la famille de Dieu, cette grande famille Et euh, d'hommes et femmes euh, qui aiment la vérité, qui aiment le Seigneur et, et qui, euh, ben, qui soutiennent euh, tant bien que mal l'œuvre du Père. On nous dit Yeshua, que son nom soit glorifié. Voilà. Père, nous bénissons ton nom pour cette émission. Merci pour mes frères et sœurs qui sont connectés. Merci pour, Seigneur, l'amour qu'ils animent, l'amour de la vérité, l'amour pour la vérité. Merci pour, Seigneur, la force que tu leur donnes. Merci pour la détermination que tu leur donnes à Elohéno, le notre Dieu, Dieu d'Israël. Nous voulons t'honorer en toute chose, papa. Nous voulons t'aimer. Nous voulons te connaître. Nous voulons apprendre, Seigneur, à te servir. Nous voulons, Seigneur, ce soir encore partager l'évangile, l'évangile qui nous guérit. Honneur nom dit Yeshua. Merci pour mes bien-aimés qui sont avec moi, Seigneur, ce soir. Merci pour tes enfants, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui sont abattues parce que nous croyons que tu vas les relever en nom de Gloire à Jésus. Amen. Bonsoir tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir, en tout cas. Merci. Alléluia. Et euh, qu'est-ce que vous racontez Quoi de neuf les frères et les sœurs sont là, ils sont là, ils regardent, Alors, ils découvrent des visages hein, qu'ils ont déjà vus, et euh, pour euh, certains, et... voilà. <laughs> tout va bien Oui, tout va bien. Alléluia. <laughs> Gloire à Dieu. Alors, qu'as-tu à nous raconter un peu, là, ça va Ta marche avec le Seigneur, comment ça se passe oui, Ça se passe bien. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces jeunes filles, euh, jeunes sœurs qui sont là, qui, euh, qui ont ton âge Je pense que, je ne sais pas si ton micro est allumé, je veux voir Parfait, c'est parfait. Donc Benoît nous fait signe. Oui. Voilà, donc il nous fait signe que tu. Voilà, tu, voilà proche de. Voilà, parfait. Alors, bah, je voudrais leur dire de continuer dans la prière. D'accord. De prier beaucoup. D'accord. Et de ne pas désespérer et que le Seigneur donne des réponses. Voilà. Et de prier avec un cœur sincère. D'accord, je ne sais pas si on ne la voit pas à l'équipe technique, je ne sais pas si c'est normal. Je crois qu'il y a un problème au niveau de la, de la régie. Parce que les gens se disent, mais il y a quelqu'un qui parle, mais on ne voit pas son visage. Alors, comme ils ont, ils ont tellement soif, alors on se met à leur place. Hein. Ce n'est pas évident. Donc, euh, tu, tu les encourages quoi, à persévérer, tout ça. Est-ce que c'est dur de suivre Jésus-Christ étant jeune Parce que tu as 14 ans. Est-ce euh, que c'est dur Moi, je ne trouve pas. D'accord. Il enfin, y en a qui vont trouver ça dur, parce que j'ai une cousine à la maison qui trouve ça assez dur, mais elle n'a pas été élevée dans le même milieu familial. D'accord. Mais quand on a des parents qui nous enseignent bien, c'est ben, plus facile. D'accord. Donc toi, tu faut, faut vraiment vouloir donner son sa vie à Jésus. Amen. Et Qu'est-ce que tu peux leur donner comme conseil alors Bah, de lui faire confiance, mm -hmm. de bah, déjà faire le premier pas, enfin, vouloir vraiment lui donner sa vie. Mm -hmm. Et après, à ce moment-là, faut, enfin, moi je prie et je lui dis, enfin, faut se confier en lui. D'accord. Et tout ça. Wow. Et le Seigneur te parle Ben, je pense. En fait, c'est pas j'entends pas sa voix et je me pose souvent des questions, Après, tout ça. Pour wow. Vous bon, radio <laughs> Tu vois que tu, tu brilles hein, de l'amour du Père, que Dieu soit béni. Alors euh, voilà, donc, euh, je pense que c'est pareil, hein, euh, ta marche avec le Seigneur. Comment On va lui donner le micro, parfait, merci. Ma marche avec le Seigneur, je voudrais raconter une petite expérience. D'accord, c'était parfait. Donc euh, avant, je disais, je disais au Seigneur, euh, merci pour ta parole et tout. Mm -hmm. Et euh, j'ai réalisé il y a quelques jours, euh, bon, en fait je, me suis, je dormais, mm -hmm. je me suis réveillée. Et euh, je ne sais pas pourquoi, j'ai voulu tout abandonner avec lui. D'accord. Je ne sais pas pour quelle raison. Du coup, j'ai lu la parole. Et euh, j'ai lu dans Jean, j'ai tout lu. J'avais tellement soif, en fait. Mm -hmm. Plus je lisais, j'avais soif. Et Dieu, il me faisait réaliser plein de choses. Et il me faisait comprendre plein de choses. Et euh, plus je lisais la parole, j'avais soif. Et c en fait, c'était comme si une fleur, elle était, elle était fanée. Mm -hmm. Et en fait, c'est comme si elle revivait. Waouh! Et là, j'ai vraiment réalisé que la parole, elle est vraiment. Euh, c'est vraiment la vie. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, voilà. C'est magnifique ça. Et dis-moi, dis parce que les frères et ceux qui sont là se demandent, waouh ces jeunes euh, qui parlent comme ça de Jésus-Christ, tout ça, euh, quel âge ont-elles euh, T'as 15 ans si j'ai bien compris. Oui. Et euh, c'est magnifique de suivre le Seigneur à cet âge-là, c'est beau. Et tu réalises que la parole est vivante. Oui. Wow. Et, alors qu'est-ce que tu veux dire à hein, ces jeunes soeurs justement qui sont là aussi, qui regardent si vous le souhaitez aussi, hein, vous qui êtes jeunes, si vous voulez nous appeler ce soir, il n'y a pas de souci. Si vous voulez partager, poser des questions, vous êtes libre. Hein, donc vous pouvez nous appeler au 01 64 98 90 45. 01 64 98 90, 90 45. Voilà. Alors moi, je voudrais dire aux jeunes que, euh, comme ma sœur, il faut persévérer dans la prière. D'accord. Et euh, si, Dieu vous a fait, si Dieu vous a fait une promesse. Eh ben, il faut, faut, faut vraiment croire que qu'il va la réaliser parce que c'est pas un homme pour mentir. Donc, euh, voilà. mmh, mmh. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. À l'école, alors, les amis, qu'est-ce qu'ils disent un peu Qu'est-ce qu'ils disent euh, Ta ben, marche chrétienne Ta, justement, ta vie chrétienne euh, J'ai ma prof de français, elle voulait qu'on fasse un exposé sur euh, sur notre héros. Mmh. Et du coup, moi, j'ai choisi Dieu. Mmh. Et donc, ben, je l'ai fait devant eux. Et ils ont. Ils ont, ils ont, ils ont... Ouais. Ils ont été beaucoup étonnés et tout, et puis euh, maintenant ils, ils, me, ils me posent beaucoup de questions, ils font beaucoup de réflexions, mais euh, j'aime quand ils me font des réflexions. Wow. Comme ça, je sais que, que ça les travaille en fait. Wow. C'est beau ça, que Dieu soit béni. En tout cas, donc c'est très encourageant et la parole s'accomplit. Hein. Je vois les 2 28, hein. Dieu disait qu'il allait répandre son esprit sur toute chair, sur la jeunesse notamment. Donc c'est beau de voir des jeunes qui euh, sont déterminés, qui cherchent le Seigneur et, et euh, voilà, magnifique. Que Dieu soit béni. Bonsoir. Alors, c'est comment, comment euh, ta marche avec le Seigneur Comment ça se passe euh... Moi, c'est assez compliqué parce qu'en fait, euh, j'ai pas grandi dans une famille chrétienne. Mais au contraire, ils étaient toujours en train de de, ils étaient contre, quoi. D'accord. Et, ouais, et puis, une fois que j'ai commencé à aller dans les églises, ils me rabaissaient. Wow. Donc, euh, c'était assez spécial, moi. Euh, après, bon, bah, les églises, j'ai pas trop attaché. Donc, mm -hmm. je venais, je partais, ça m'intéressait pas. Mm -hmm. Et je suis arrivé à, sur le plateau TV2, quoi, sur, à la, à, dans la salle mm -hmm. des ouais, réunions, de réveil, côté, ouais. réunions de réveil. Voilà. C'est euh, ma belle-mère... Ouais. Et mon beau-père qui m'en avait parlé en fait. Mmh. Donc euh, je suis venu par curiosité. Et le jour même en fait, je me suis donné à Dieu. J'ai pris le baptême. J'ai eu même un beau message de la part du Seigneur. Amen. Mais après, j'ai eu tendance aussi à m'écarter avec beaucoup de problèmes avec euh, ma femme. Donc je laissais la parole en ne comprenant pas vraiment ce qui se passait. Mmh. Et là, j'ai eu mes réponses réellement samedi. Wow. Euh, à Creil. À Creil, voilà. Il montre vraiment son amour et je pense qu'il faut vraiment le suivre. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. C'est beau, c'est glorieux. Je ne sais pas, tu veux peut-être intervenir euh, <coughs> ben, Je peux dire, moi, que c'est merveilleux de voir euh, comment, comment Dieu opère. On a un papa vraiment merveilleux quand il donne des promesses. Uh -huh. Il les, il les réalise mmh. quand euh, comment c'est écrit dans sa parole que euh, je vous sauverai vous vous et vos familles mmh. et je peux dire que, que je le vois je je, je le vois et c'est comment c'est grandiose dans le sens où on a vécu des vies d'église et euh, où on a vu plutôt nos enfants euh, comment s'éloigner de Dieu et ça nous rendait tristes avec mon mari mmh. et euh, quand je vois maintenant euh, on est sorti des bâtiments et je peux c'est plus fort que moi je peux vous dire que c'est comment les bâtiments sont des pri, des prisons où on tue où on tue les, les, les gens qui aiment dieu où on essaye de les tuer parce que Dieu sait les faire sortir et je peux vous dire que depuis qu'on est sorti des bâtiments on a vu nos enfants, mais alors se donner à Dieu wow. d'une manière. Euh, euh, ça, c'est nos deux filles. Mmh. On a, comment 14 et 15 ans, il faut préciser. Parce oui, que là... il y a 14 et 15 ans. Mmh. Il y a. Il y a ève la femme de, de, de mon gendre mmh. qui a qui a 20 ans mmh. qui a subi des choses terribles dans, dans les bâtiments qui a eu qui a du mal à remonter mais par la grâce de dieu par l'amour de dieu mmh. elle comment elle refait surface mmh. elle a elle, elle refait vraiment surface et ça c'est vraiment merveilleux c'est mi c'est miraculeux alors et parce que je ne veux, veux, veux pas tout dire, parce que je voudrais aussi que mon mari parle. Est-ce euh... que vous ne voulez pas, ce qu'on peut faire, par contre, parce que je vois que vous avez des choses à partager, parce que tout ce que vous avez pu vivre, pu vivre oui. ici et là, et euh, je vous propose justement de continuer tout à l'heure l'émission, oui. pour vraiment partager, euh, je pense que ça va aider beaucoup de frères et sœurs, beaucoup ah, de bien familles bien. également, Allez, Lou, qui sortent des bâtiments mmh. et qui ne savent pas forcément comment se retrouver avec le Seigneur, comment, et euh, je pense que vous avez des choses oui. à partager. Ça vous intéresse? Euh, oui, parce qu'il ne faut jamais perdre espoir. Quand mmh. on voit nos enfants mmh. qui sortent des bâtiments parce qu'ils n'ont plus envie d'entendre parler de Dieu mmh. et que. Comment? Et qu'on les voit revenir parce que parce qu'ils voient leurs parents qui sont sortis des bâtiments, qui voient des, des, le miracle du cœur, les mmh, choses mmh. qui se les enfants reviennent parce que c'est la vérité Amen. et que quand on éduque un enfant dans la vérité, dans l'intégrité, l'enfant revient vers la parole et c'est écrit dans la parole, c'est écrit, c'est biblique. Amen. Quand on élève l'enfant dans le dans la vérité, l'enfant revient, même Amen. si pour ça que les bâtiments, pour moi, c'est comment je pourrais expliquer Des tombeaux. C'est des tombeaux, c'est des voilà. tombeaux blanchis. Mm -hmm. C'est mm -hmm. tout à fait mm -hmm. ça. Mm -hmm. Voilà. Par contre, ce que je veux dire aussi, c'est que je n'incriminerai pas euh, les pasteurs qui se chargent de ces bâtiments, certains pasteurs, parce que c'est le système qui Il y les en a, qui sont sincères. Hein, qui qui... Sont sincères. Mm -hmm. Voilà. Ça, je ne mm -hmm. veux pas dénigrer ça. Je ne veux pas juger parce que Dieu seul est juge, mais euh, parce qu'ils ont été bouffés par le système. C'est ça. Voilà, pour moi c'est comme ça. Comme de la gangrène. Voilà, c'est exactement ça. 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 Donc, euh, mm -hmm. mes frères et sœurs, je sais que vous êtes nombreux à, à nous suivre ce soir. Mm -hmm. Et euh, donc, euh, on va, je, au travail de tous ces témoignages, je pense qu'on va vraiment échanger sur la famille. Hein. Dieu aime la famille et euh, il revient chercher, justement. Euh, la famille la famille euh, céleste la famille chrétienne et euh, sa famille et euh, voilà donc euh, et étant donné que Dieu est le Dieu de la famille c'est notre père ben il aime justement la famille et il veut voir justement des familles euh, se retrouver autour de sa parole euh, les parents leurs, avec leurs enfants prier ensemble cette harmonie voyez ouais, au sein de la famille une famille soudée n'est-ce pas et unie et euh, voilà, bâti sur la parole autour de, des valeurs chrétiennes et bibliques. Et euh, donc, euh, je vais juste annoncer que ce, ce samedi, nous sommes à Basel, n'est-ce pas, en Suisse. Donc, euh, on y sera avec une équipe euh, de frères et sœurs pour partager l'Évangile. Je ne devais plus, je ne devais plus y aller, mais. Euh, et euh, voilà, le Seigneur me met vraiment à cœur d'y aller donc ce samedi pour euh, partager l'évangile avec les frères et sœurs. Mais euh, je tiens quand même à préciser aux frères et sœurs qui sont au niveau de la, de la Suisse nous ne voulons pas collaborer avec les gens qui n'aiment pas le Seigneur, qui ne craignent pas le Seigneur. Donc euh, nous venons avec des frères et sœurs avec lesquels on, on travaille. Et c'est avec eux qu'on va travailler sur place là-bas. On ne veut pas se mélanger avec des gens dont on ne connaît pas la moralité. N'est-ce pas Parce qu'il y en a un qui se servent de cette parole pour dépouiller les frères et sœurs, pour demander de l'argent aux frères et sœurs, pour voler, pour es es les es escroquer les enfants des yeux. Et nous ne voulons surtout pas, mes amis, euh, qu'il y ait de la confusion, nous mélanger. Et euh, c'est pas parce que nous nous sentons meilleurs que les autres. Loin de là, nous avons nos propres euh, défauts, mais nous ne voulons surtout pas nous compromettre. Voilà. Donc euh, les choses, je pense, que sont claires. Et euh, voilà, donc je confie en ce soir que je serai. Euh, J'avais envoyé un mail à une sœur pour dire que je n'y allais pas, que je n'y allais plus, mais euh, j'ai vraiment la paix au fur et à mesure que l'événement approche de euh, d'y aller parce qu'il y a des frères et sœurs qui vont venir de, de pas mal d'endroits et euh, on ne veut pas justement les pénaliser parce qu'il y en a qui ont réellement soif, ils sont pas forcément idolâtres, mais ils aiment le Seigneur et nous voulons justement, ensemble avec ces frères et sœurs qui sont de Dieu, euh, louer Dieu ensemble. Voilà. Donc euh, je tenais aussi à dire à partir du 9 à partir du 9 avril donc le mois prochain nous serons aux Antilles. On sera aux Antilles, euh, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin et la Guyane. Voilà, donc euh, on va euh, tourner partout donc euh, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et euh, euh, Saint-Martin pour euh, partager l'évangile avec les enfants de Dieu. Donc euh, priez pour nous, pensez à nous dans vos prières au nom de Yeshua. Voilà, donc pour les frères et sœurs des Antilles qui, euh, qui attendent hein, depuis quelques, quelques temps euh, cette mission. Voilà, alors je ne sais pas, euh, avant de pouvoir laisser nos, nos frères et sœurs échanger, partager la parole avec vous et leur témoignage, s'il y a des frères et sœurs des Antilles qui veulent appeler ou si vous voulez appeler pour poser des questions, n'hésitez pas, donc vous pouvez nous appeler, comme je vous l'ai dit, hein, donc euh, le standard fonctionne, je pense. Et, euh, et on sera euh, on va répondre à vos à vos questions. Voilà mes amis que Dieu soit béni pour l'œuvre qu'il accomplit au milieu de de nous voilà. Donc euh, Dieu travaille, Dieu travaille et encore merci aux frères et sœurs du Gabon qui euh, prient pour nous et et voilà, donc il y a aussi des frères et soeurs de la RDC à Kinshasa qui se demandent quand est-ce qu'il y aura une mission là-bas sur place. Et voilà, j'ai eu un songe là-dessus. Je me suis vu à Kinshasa pour une mission, donc il n'y a pas de souci. Je crois qu'en juillet, si tout va bien, on y sera. Mais sinon, en juin, on sera aussi à Montréal, on sera à Montréal et aux États-Unis pour les frères et soeurs des États-Unis, donc on, on vous donnera toutes les informations plus tard, donc on y sera au mois de juin, voilà, et puis euh, voilà, donc on ne veut pas faire un calendrier sur l'année, parce qu'on veut vraiment se laisser guider par le Seigneur à chaque fois, c'est pour cela que nos programmes souvent sont annoncés euh, euh, parfois une semaine avant, ou deux semaines avant, ou un mois, voilà, donc, euh, et puis au mois de septembre, si tout va bien, on sera à Tahiti, voilà, donc, euh, et euh, pour pouvoir partager l'évangile avec des frères et sœurs qui sont en Nouvelle-Calédonie, Tahiti, tout ça et voilà donc euh, Dieu ouvre des portes ici et là. Vous êtes nombreux à prier pour qu'il y ait euh, des missionnaires, euh, des missionnaires chez vous. Continuez à prier et Dieu ouvre des portes, n'est-ce pas Continuez à prier pour nous, à nous soutenir, à nous couvrir, n'est-ce pas, avec vos prières, par vos prières, car nous en avons vraiment besoin. Et euh, les attaques sont nombreuses, comme vous savez, les adversaires sont nombreux. Beaucoup ne veulent pas que cette parole véritable soit proclamée, n'est-ce pas Donc euh, ils agissent comme, bien sûr, l'ennemi hein, de nos âmes et qui, n'est-ce pas, veut à tout prix, donc l'ennemi, bien sûr, que les gens ne connaissent pas la vérité. Mais peu importe, personne ne peut empêcher Dieu de libérer son peuple. Voilà, donc euh, et, euh, les choses sont claires. Dieu est le Dieu de euh, famille. Voilà, nous, avons, nous allons prendre un passage quand même rapidement dans Éphésiens, chapitre, euh, chapitre 3. Éphésiens, chapitre 3. Merci Seigneur. Le verset... 14 et 15, les versets 14 et 15. Donc, Ephésiens, donc la page 1141. Page 11, donc, euh, 1000, page 1141. Voilà. voilà. À cause de cela, je fléchis mes genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ duquel toute parenté ou toute famille est appelée ou nommée dans les cieux et sur la terre, afin que selon les richesses de sa gloire, il vous donne d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite en vous, envie dans vos cœurs, habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans la charité, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur et la longueur, la profondeur et la, la hauteur et connaître la charité de Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute hein, la plénitude de Dieu. Voilà, donc j'ai été plus loin qu'est prévu. Et euh, voilà, donc Paul a fléchi, Paul fléchissait ses genoux devant le Père, et euh, de qui toute famille, hein, toutes les familles dans les, dans les cieux et sur la terre, tirent leur nom. Toutes les familles. Vous voyez, le Père est, n'est-ce pas, celui qui engendre. Et euh, il, est ce, il, est le, il est celui qui il est le fondateur, le géniteur, il est la, la base. Dieu est le Père. Et nous apprenons ici que c'est ce, devant le Père que nous devons justement fléchir nos, nos genoux. Et euh, c'est important. Yeshua disait aux apôtres voici donc comment vous devez prier, notre Père. Vous voyez, euh, il a changé, n'est-ce pas, et, euh, la, la, la relation que nous avions avec le Seigneur, avec Dieu. Avant, Dieu, comme vous le savez, n'était pas notre Père à cause du péché. Et grâce à Yeshua, grâce à son œuvre, n'est-ce pas, nous sommes devenus enfants de Dieu. Et euh, en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons et nous sommes appelés, mes amis, plutôt à, à fléchir nos genoux devant lui et non devant les hommes. Nous ne devons en aucun cas, mes amis, bien sûr, comme vous le savez, adorer les images, adorer les hommes, les objets. Et c'est le Père. Et Paul est clair, toutes les familles tirent leur origine, n'est-ce pas, leur, leur, leur nom du Père. Donc, si vous voulez avoir une bonne vision de la famille, vous avez besoin de connaître le Père, Dieu en tant que Père. Pourquoi eh bien, parce que justement, et euh, comme vous le savez, nous sommes dans une génération, depuis la chute de l'homme, bien sûr, les hommes, les, les humains ont perdu la notion de la de la famille. N'est-ce pas La notion de la famille. Qu'est-ce qu'une famille Aux yeux de Dieu. Et euh, ce n'est pas seulement quand un homme épouse une femme et qu'il ait des enfants. C'est pas seulement ça, c'est plus que ça. Pour comprendre la famille, pour connaître, mes amis, euh, les aspects euh, de la famille. Nous devons d'abord avoir la révélation du Père, Dieu qui devient notre Père. Et si Dieu devient notre Père, automatiquement, mes amis, nous allons, euh, nous devenons, bien sûr, nous rentrons dans notre identité de fils et de fille. Parce que c'est le, le Père qui nous donne à rentrer dans notre identité. Vous voyez, une personne qui ne sait pas qui elle est, c'est une personne amnésique, c'est une personne qui est frappée, n'est-ce pas, qui, qui, qui peut faire, mes amis, des dégâts, qui peut aussi se faire manipuler facilement parce qu'elle ne sait pas ce qu'elle est. Vous voyez, et le problème que nous rencontrons aujourd'hui dans nos familles, c'est que beaucoup sont frappés d'amnésie et ils ne savent pas, il y a des hommes qui ne savent pas qu'ils sont hommes. Et ils se comportent comme des femmes. Et des femmes qui ne savent pas qu'elles sont femmes, elles se comportent comme des hommes, n'est-ce pas Et Dieu, en nous créant, il nous a assigné, n'est-ce pas, euh, des tâches, des fonctions qui nous sont propres. Lorsqu'il va créer l'homme, il va créer l'homme en lui donnant, n'est-ce pas, en lui assignant, bien sûr, une fonction et, euh, et, et, et des devoirs, des droits et des devoirs en tant qu'homme, vis-à-vis de sa femme et en tant que père, vis-à-vis -vis de ses enfants, en tant qu'époux, bien sûr, avec sa, sa femme. Et la femme, pareil, quand elle a été créée, elle a été créée pour un but. Voyez? Et le but pour lequel le Seigneur a créé, que le Père a créé la femme, ce n'est certainement pour, pas pour qu'elle aille se prostituer. Ce n'est certainement pas pour qu'elle aille se faire, mes amis, tabasser. Le but pour lequel le Seigneur a créé l'homme, ce n'est certainement pas pour lever, lever sa main sur sa femme. Donc, chaque chrétien, chaque individu, chaque homme, chaque femme doit connaître son identité. N'est-ce pas? Ça, c'est très important. Quand on devient chrétien, on, 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 on saisit, en fait, on, on rentre dans son identité. Et ça, c'est une des premières choses que le Père fait lorsqu'il lorsqu nous touche. Nous comprenons notre rôle. Vous savez, nous sommes sur Terre comme des acteurs et nous jouons, nous jouons des rôles. Il y en a qui jouent mal leur rôle. En tant qu'homme, en tant que mari, en tant que père, en tant que femme, en tant que fille pour ses, de, de, ses, de, ses, de ses, ses parents, en tant que fils de ses parents, nous avons des rôles à jouer. Jusqu'à notre départ de ce monde, nous exercerons ces rôles divers que le Seigneur nous a confiés. Et c'est pour cela, mes amis, nous devons repartir vers le géniteur, la source. Parce que quand on parle du Père céleste, en fait, on parle de la source tout simplement. Vous savez, si vous voulez soigner un malade, il ne faut pas soigner les conséquences, il faut soigner les causes. Il faut traiter les causes. Si, as un, un, si un arbre, euh, les fruits d'un arbre sont, sont, en mauvais état, eh ben, il faut aller soigner les racines. Ouais, il faut aller à la racine pour pouvoir soigner, guérir l'arbre, la, euh, soigner l'arbre. pareil, Dieu, c'est, Dieu, c'est pareil. Le Père, c'est la racine. C'est la racine de la famille, c'est le fondement de la famille. Voilà pourquoi, mes amis, la première chose qui se passe lorsqu'une personne se convertit, elle le retrouve, en fait, elle rentre dans une intimité avec le Père. Beaucoup de gens, même dans les bâtiments, se sont convertis par rapport aux églises. Et il n'y a pas eu une conversion par rapport au Père céleste. C'est pour cela qu'il y a autant de blessures, autant de déceptions, et beaucoup repartent dans le monde, parce que on leur a présenté les églises, on leur a présenté les pasteurs, on leur a présenté les prédicateurs, on ne leur a pas présenté le Père Céleste. Et quand on rentre dans une intimité avec le Père, quand on prie, ça peut nous arriver de pleurer parce que on, on ressent cet amour pour le Père. On, reçoit, on ressent cette joie, et, euh, et on se dit, mais pendant des années, j'ai passé mon, j'ai perdu du temps. Je suis passé à côté de cet amour. Et, et je me rappelle quand le Seigneur m'a sorti des bâtiments d'église et euh, des systèmes d'église des hommes, des pastorales et tout ça. Des, des, et je me suis, je me, me aujourd'hui je me dis mais Seigneur mais j'ai gaspillé mon temps dans des choses qui ne produisaient pas la vie. Alors que, alors que aujourd'hui dans mon intimité avec le Père je suis comblé, comblé. Le Père est là et il nous attend. Et, et, et l'amour du Père, et ce, ce, cet amour nous, nous guérit, nous restaure, nous responsabilise. Quand on est touché par cet amour, en priant pour les âmes, on peut même pleurer. On peut même être incompris des hommes qui pensent que nous sommes attristés, pas du tout. Nous sommes justement saisis par le cœur du Père. Le cœur du Père, c'est quoi Le cœur du Père, c'est la compassion. Le cœur du Père, c'est l'amour. Le cœur du, du Père, c'est le salut des âmes. Voyez, Et il nous a, quand il a créé Adam, le Père, j'imagine la joie qu'il éprouvait. Vous vous rendez compte que pour créer l'homme, le Père a dû quitter son trône. Il est venu sur terre se salir les mains avec l'argile. Il s'est mouillé pour toi, pour moi. Waouh! Il y a seulement deux événements qui ont, n'est-ce pas, qui ont fait que le Père a quitté son trône. Le premier, c'est lors de la création. Il est il, il créé le monde à partir du, du trône. Il a créé les animaux à partir du trône. Mais quant à l'homme, créé à son image, le Père est descendu. J'imagine les anges au ciel qui regardaient cette, cette scène, qui assistaient à cette scène merveilleuse, magnifique, glorieuse. Et la deuxième fois où le Père est descendu, c'est quand euh, justement Dieu, mes amis, nous dit 1 Timothée 3.15, Dieu, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Lorsque Dieu lui-même est, de, est descendu. Pour restaurer l'homme l'homme qui bien sûr s'était éloigné de lui et quel amour ça c'est le père et si vous rencontrez le père je vous assure eh ben vos blessures seront guéries le père nous donne l'assurance vous savez un père dans une famille est celui qui amène l'assurance qui rassure tout le monde sa présence doit rassurer les enfants. Le père est celui qui amène aussi qui, qui, qui amène aussi la nourriture et celui qui amène qui, 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 qui voilà qui, qui amène les, les provisions et il est celui qui, celui qui rassure voyez et ça c'est important le père n'est pas celui qui doit faire, quand, euh, celui qui doit tétaniser ses enfants terrasser ses enfants et, euh, pas du tout il doit les rassurer quand il arrive les enfants ont envie de rester avec le père et ça c'est magnifique et et, et et paul justement nous dit ici que eh bien, toutes les familles Tire leur nom. Voyez? Tire leur nom. Le nom, c'est quoi? Quand on donne un nom à quelqu'un, le nom, mes amis, a aussi un rapport avec la personnalité de l'individu. Les noms que nous portons, mes amis, aussi euh, révèlent aussi nos personnalités. Quand euh, vous re regardez dans la Bible, les noms qui étaient donnés aux hommes, euh, n'est-ce pas, de la Bible, c'était des noms qui reflétaient en même temps leur nature, leur caractère, leur identité. Quand on parle d'Abraham, le père d'une multitude. Vous voyez, donc, les noms étaient donnés aux gens en fonction aussi de leur caractère, de leur destin, de leur vision, de leur. C'est important. Donc, quand Dieu, quand Paul dit ici que toutes les familles tirent leur nom du Père, cela veut dire que quand le Père nous donne des noms, eh ben il nous donne en même temps un caractère, le caractère de son fils, Yeshua. Et ça, c'est magnifique. C'est pour cela que la Bible nous dit que nous aurons des noms nouveaux. Et ça, c'est glorieux. Alléluia. Et, et nous portons, et, et, il nous a donné justement son nom. Toutes les familles tirent leur nom du Père. Et quel est ce nom, là, justement Eh bien, c'est le nom de Yeshua. Voilà pourquoi il dit, il dit à chaque fois, en mon nom, vous ferez, en mon nom, vous ferez. Et ça, c'est magnifique. Je voudrais juste, mes amis, vous nous encourager et introduire euh, nos amis qui vont partager euh, la parole avec vous. Donc, je vous laisse pour euh, témoigner. Partagez tout ce que Dieu vous met à cœur, les frères et soeurs sont là. Voilà. Donc, euh, c'est bon Moi, je peux dire que c'est impressionnant d'avoir de, vu des enfants qui, qui ont vécu donc, dans une église, qui ont cherché Dieu. Et puis, euh, de voir la différence, comme un peu mon épouse a dit, euh, c'est vraiment euh, incroyable. C'est vrai, magnifique. Parce qu'ils ne cherchaient pas forcément à lire la Bible, que là, c'est tout l'inverse, ils veulent <laughs> la dévorer. C'est complètement. Waouh wow. ouais. ah, oui, C'est vraiment impressionnant, quoi. C'est le changement, c'est... C'est <laughs> ouais. euh, terrible. Ouais. C'est terrible. Euh, c'est terrible dans le sens où je, quand je vois Anne-Charlotte qui, qui comment, à 3h du matin, elle est encore en train de lire wow. et elle mange la parole et elle descend aux toilettes et elle recommence. Et euh, si moi je suis levée, elle me dit, maman, tu sais pas, Seigneur, il m'a dit ça, regarde, c'est écrit ça et c'est écrit wow. ça. Et, euh, euh, et c'est continuel, mais c'est continuel, c'est continuel, c'est tout le temps, c'est tout le temps, tout le temps, wow. tout le temps, tout wow. le temps. Wow. Magnifique. Et quand euh, je euh, Grâce, grâce qui, qui prend sa guitare, qui qui chante, on l'entend dans toute la maison. Tu sais jouer qui... un peu la guitare, tu Non. Tu veux, Elle, euh... bah, tu avec l'onction ça, l'esprit voilà. de Dieu, c'est beau, c'est beau. Tu mais... reçois des chants aussi en même temps? Oui, elles ont, elles ont, elles ont des chants. Wow. Seigneur, leur donne des chants. Amen. Et euh... Bah, gloire à Dieu, le Seigneur est tellement merveilleux. Et ce qui est impressionnant, c'est que dans les bâtiments d'église, tous les enfants s'en allaient. Mm -hmm. enfin, parce qu'on est quand même est une famille c'est ouais. hein, le constat. Ouais. Et quand je vois samedi, c'était merveilleux. Mm -hmm. euh, on avait parlé qu'il y, y aurait une réunion de réveil à Creil. Mm -hmm. Donc, on a, euh, on a une de nos Fille Laetitia, qui est mariée à Joël. Euh, ils avaient tout rejeté. Mais alors, tout rejeté. Et donc, Jean-Pierre a parlé qu'il y aurait une réunion de réveil à Creil. Il a juste lancé ça. Et le vendredi, elle, par tous les moyens, elle a essayé de nous joindre parce que c'est elle qui a demandé à aller à Creil. Wow. Et. En fait, c'est le, le, le jeune couple qui ne peut pas avoir d'enfant. Le, le Joël qui est stérile, reconnu, mmh, mmh. qui était reconnu par la mé médecine stérile. Okay. Donc, c'est ce, ce jeune couple. Et de voir qu'ils ont, comment, euh, comment je pourrais dire, c'est eux qui ont demandé à aller à Creil, euh, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Euh, on a eu aussi, euh, c justement, je voulais, je, voulais, je voulais, aussi en parler euh, derrière le mur à Benoît. D'accord. Euh, je sais que euh, ils avaient pu partager avec Joël le mari à, à Laetitia, mmh. et euh, ça a fait son chemin. Gloire à Dieu. Ça remonte à cet été, mais ça a fait son chemin. Amen. Donc, gloire à Dieu, ils étaient là à Cré. ils étaient là. Ben, nous, on a été. Euh, moi, moi, j'ai j'ai pleuré. <laughs> Parce qu'on voit nos enfants revenir. Beau. On, on les voit. C beau. C euh, beau. Euh, comment? Euh, je, généralement, je, c'est quelque chose que que j'évite de témoigner. Mmh. Euh, je peux vous dire que Dieu est merveilleux, qu'il est grand, il est puissant. Il y a il y a quelques années, euh, comment? J'ai été séparée d'une de mes filles. D'accord pendant 17 ans. Wow. Et quand j'ai rencontré le Seigneur, euh, j'ai rencontré le Seigneur maintenant, ça va faire 20 ans, euh, j'avais prié et j'avais... Une de mes prières, c'était, Seigneur, euh, maintenant que je te connais, j'aimerais que tu puisses me ramener Linda. Mm -hmm. Comme et euh, ma fille, mm -hmm. oui. oui. Ma deuxième fille. Mmh. Et en fait, euh, Dieu est merveilleux. Quand euh, on, on a pu être ce qu'on a été dans le passé, ça n'a pas été à la gloire de Dieu. Mais quand on revient euh, à lui et qu'on lui demande pardon pour tout ce qu'on a été, pour tout ce qu'on a fait, euh, Dieu est là pour nous bercer. Il est là, il tient ses promesses, il est merveilleux, il est grand. Donc ma fille euh, Linda, euh, pendant 17 ans, on a été euh, séparés. Mmh. Et le Seigneur me l'a rendu. Et quand je vous dis qu'il me rendu, euh, l'a rendu, c'est la jeune femme que okay. tu as vue dans le j'ai reçue, hein, d'accord. Voilà. Gloire à Dieu. Wow. Voilà. Wow. Et euh, j'ai pu témoigner à Linda. Et quand je dis que Dieu me l'a rendu, comme. Euh, comment je pourrais dire il rend un enfant à sa mère. Mmh. C'est-à-dire que le témoignage que je lui ai porté il y a quelques années, donc elle, euh, elle avait euh, 18 ans, 19 ans, euh, je lui ai donné mon témoignage avec mon cœur. Je lui ai dit, je te raconterai une seule fois ce qu'il y a eu, ce qui s'est passé. Mmh. Elle l'a écouté, ça a été terminé. Et quand... Euh, comment quand on nous voit ensemble, on ne pourrait jamais penser que c'est pas moi qui eu ma fille, c'est pas moi qui l'ai élevé, en mmh. fait. C'est impossible de le de le palper. D'accord. Parce que il y a ce ce que Dieu a refait. Voilà, Quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. amen. Il y a pas de c'est pas des soudures, c'est pas des mmh, mmh, mmh. c'est indélébile. Ouais, amen. Et ça, c'est la gloire de Dieu. C'est pas du rafistelage. C'est pas du rafistelage. Mmh. Alors, Linda n'a pas été élevée avec le Seigneur. Mais le Seigneur l'a touchée. L'a touchée et l'a touchée. Wow. Et, euh, et je sais que c'est quelque chose. C'est des promesses qui donnent. Et euh, comment Même si on, a été, on est passé par les pires choses. Mmh. Par. Euh, voilà. Seigneur, refait les choses mais alors c'est on retrouve on, on, comme tu disais, on a la marque du père. Mmh. C'est on peut c'est indélébile, on peut mmh, pas mm, mm, c'est mm. comme si on était dedans. C'est Voilà. C'est exactement ça. ça. Alléluia. Et Dieu fait tout. Amen. C'est la grâce de Dieu parce qu'on ne mérite rien. On est juste euh, il nous ouvre on redevient le canot qui mmh, voulait qu'on mmh, soit. Mmh, mmh, mmh. Voilà. Tout à fait. Il, il ouvre les vannes, il débouche tout ce qui n'était pas bon et il repasse en nous. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Et après on peut donner. Gloire à Dieu. Ça c'est la gloire de Dieu. Amen. Et par contre quand on est dans les prisons, dans les églises, mmh. Mmh. moi j'ai pas rencontré le Seigneur dans une église, mmh. je l'ai rencontré chez moi. Je l'ai rencontré assis sur, sur mon fauteuil parce que j'en pouvais plus. Mmh. De ma vie de misère, je n'en pouvais plus. Et euh, je sais que j'ai dit... Si vraiment existe, eh ben montre-moi. Le Seigneur s'est mani manifesté dans sa bonté dans son amour. Je méritais rien, mais c'est lui qui s'est manifesté. Et je peux dire que tout ce qu'il m'a donné, tout ce qu'il, tout ce qui m'a, on ne peut même pas l'expliquer. Par contre, quand je l'ai cherché, je l'ai cherché dans un bâtiment d'église. Mmh. Et là, dans un bâtiment d'église, on m'a Comment, comment je pourrais expliquer C'est comme si on m'avait mis un filtre. J'avais toujours Dieu, mais il y avait une comment Un voile. Un voile. Il mmh. s'était déposé un voile mmh. et on n'arrive mmh. pas le Là, à le comprendre. On n'arrive pas. À... Et quand on sort du bâtiment, oh, c'est la liberté en Alléluia piste. Alléluia C'est la liberté. C'est la liberté. Mmh. C'est mmh. euh, alors ce serait bien que vous puissiez voilà. vraiment partager tout ça. Tout ce que vous avez vécu, je pense que les frères et sœurs vont vraiment être bénis. Et vraiment, je vais vraiment vous laisser vraiment la place pour donner. Et je crois que, laissez-vous conduire par l'esprit. Je crois vraiment que ça va éclairer beaucoup, beaucoup de frères et sœurs. Parce que, comme vous le savez certainement, il y a vraiment un mouvement de l'esprit actuellement dans les nations. Oui. Et beaucoup de chrétiens sortent des bâtiments. Et je crois que ce que vous vivez avec vos, vos enfants, parce que moi, je. Euh, je vois vos, vos enfants comment vos filles aiment le Seigneur et comme je disais ça me rappelle ça me fait penser à des jeunes soeurs des jeunes hommes que je vois qui viennent nous témoigner hein, de, de ce qu'ils qu vivent avec le Seigneur et ces jeunes n'ont pas forcément un pasteur qui les dirige hein. c'est vraiment l'esprit qui les conduit et c'est magnifique, c'est glorieux ah ouais, ce que... voilà donc bah, vous, allez, vous allez pouvoir témoigner, partager hein, comme Dieu vous conduit, vraiment je pense que ça va mmh. encourager beaucoup de jeunes et, euh, qui pourraient éventuellement appeler ce soir hein, pour poser des questions, pour euh, laisser vous diriger. Elles peuvent, elles peuvent, elles le vivent au Alléluia. quotidien, Amen. Au, au, Amen. Au, 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 continuellement. Amen. C'est votre télé, ce n'est pas la propriété de Shorah comme vous le savez. Mmh. Tous les enfants de Dieu qui ont des choses à partager, qui sont vraiment conduits par l'Esprit, frères, venez témoigner, partager, afin que le nom de Yeshua, jésus-christ de nazareth soit glorifié donc n'éteignez pas vos, portes, vos ordinateurs dans trois petites minutes nous reprenons l'antenne on nom de choix